Yo, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, je suis de retour après une longue absence justifiée, bien sûr, que vous avez mis sur ma page Facebook, car j'ai beaucoup de problèmes avec mon PC pour tout ce qui est frappe et tout ça. Donc, je vais vous lancer une petite série que j'ai pris beaucoup de temps à faire. Donc, voilà. J'ai recommencé à regarder le catch. Je me suis dit pourquoi pas présenter les arènes que plusieurs Minecraftiens ont fait. Donc je vais vous présenter les arènes de WrestleMania une par une, en commençant par la dernière arène créée à ce jour, c'est-à-dire WrestleMania 29. Eh oui, la dernière arène WrestleMania qui est écrite à ce jour. Attendez, il y aurait que 2 minutes le son. On t'a dit. Donc voilà, on pourra dire désolé pour ma voix, je suis légèrement malade. Plein de choses partout, c'est normal, il n'y a pas de pied partout, c'est normal. Ils n'ont même pas été invités. Je vais pas les déranger, sinon ils vont toujours péter. Donc on va commencer la visite très rapidement. Désolé pour ces petits lags. Ah ouais, d'accord, le type il a fait les toilettes. Les toilettes. Le type il a fait les toilettes. Ah ben même quoi, c'est même pas de toilettes. C'est une petite maisonnette. À quoi ça sert, Manu? Ne me le demandez pas. Ah si, c'est des toilettes. Eh ben si, c'est des toilettes. Mythique. Rien à dire, mythique. Donc comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo Slender, donc, qui date d'il y a un mois, je vais reprendre Minecraft mais une autre série où je vais vous présenter toutes les arènes de catch que j'ai pu trouver. Que j'ai pu trouver dans ce jeu. Donc on va voir légèrement le son. Voilà. Donc j'imagine qu'à côté ça va être la même chose. Bah toi. Ah ben non, c'est un buffet. Ah ok, ils ont fait même fait les barres et tout. Ah c'est motif. Ah de l'eau. De l'eau. Ah ok, attends, j'ai pas eu de 2 dollars de l'eau. Ah c'est juste mythique quoi. De l'eau. D'ailleurs quoi. Chicken. Ils vendent du poulet. Du poulet sérieux. Je suis bien pris en plus. Écoutez, ils vendent quoi? Des cookies. Je dis bien des cookies. Alors, ici c'est pour les hommes. Donc ça devrait dire que c'est la même chose. Et ouais, c'est pas la même chose que les codes pour les hommes et pour les femmes. Donc ici c'est cookies, cake, il y a des cakes, ils vendent des cakes. Bon mais j'imagine que c'est la même chose partout hein. On va pas faire le tour de la reine comme ça. Donc je vais monter hein, pour vous présenter un peu la reine d'en haut, et dans le prochain épisode je vous montrerai l'avant-dernière arène, donc la reine WrestleMania 28, donc WrestleMania 28. Donc je vais pas m'arrêter là parce que sinon j'ai pas assez de penser. Je vais monter directement dessus. Pas grand chose ici. Donc pas grand chose, je vais pas mettre en bas. S'il y a quelque chose d'intéressant. Ah, on est là, je remonte.
Ah ben, en fait, non. Non, mais je vais aller tout en haut. Vais monter tout en haut de l'arène. Ouais, ben là, c'est pas mieux. C'est pas mieux de passer. Alors, je vais aller... Waouh! C'est énorme. Oh my god! C'est énorme. Faire un peu le tour de l'arène parce que l'arène est immense, je vous dis ça, je vous dis New York, New Jersey. Regardez, NY MJ New York, New Jersey. New Jersey, pardon. Pardon, pardon, pardon. Mais ce qui était légèrement dérangeant, c'est que à cause que j'ai arrêter ma vidéo à cause par cause de problème de PC, j'ai perdu quelques abonnés. Ça arrive, hein, quelques abonnés perdus, 10 de retrouvés. Enfin, c'est ce qu'on dit, mais pas dans tous les cas. Bon, et maintenant, je fais comment pour descendre? Je suis dans la merde. C'est pas ça. Voilà. Gueule zombie. Carrément, c'est bien. Ouais, super. On va faire un tour d'arène comme ça, voir pour vous montrer. Donc là, on voit l'arène MetLife Stadium. Non, celle-ci, c'est l'arène MetLife Stadium. Si ce, je vais vous montrer d'ailleurs, parce que vous avez écrit celui qui a... Si j'arrive de laguer, a écrit MetLife Stadium en grand. Si j'arrive à c'est bien sûr. Faire le tour, essayer de vous montrer. Je lag légèrement, le jeu lag, je suis vraiment nerveux. J'ai essayé de faire le réglage comme je pouvais, mais j'étais super patient de faire la vidéo. Après, je vais vous montrer les coulisses de WrestleMania, de WrestleMania. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai WrestleMania 29 et 28. 28 aussi. Non, si je raconte. WrestleMania 28 dans la prochaine vidéo et aussi WrestleMania 27 et 26. Et dans les autres vidéos, je vous montrerai quelques arènes de catch de pay-per-view. Donc, c'est-à-dire Royal Rumble, Royal Rumble, Extreme Rules. Ouais, le ring est super bien fait. J'avoue, chapeau si tu peux faire. Moi je dis pas chapeau à ma connexion. Ah ben voilà, je vais vous montrer si j'arrive à passer. J'ai pas envie de péter les barricades en fait. C'est pas grave, péter les barricades. On va en mettre après, c'est pas grave. Ça, on n'y est pas. Ah. Merci, on les barrières déjà. Je sais même plus moi. Là. Le problème, c'est qu'avec les maps comme ça, on lag.
à fond, quoi. Voilà, on est passé. Maintenant, je vais me l'appeler si il veut. Ouais. Donc, je vais essayer, si j'arrive, si je lague pas trop, de vous montrer au-dessus où il est marqué MetLife Stadium, avec mon accent bien anglais. Mon accent, pas l'accent anglais. Voilà, je vais vous montrer ici. Je vous montrerai. Alors, j'avoue, le ring est pas très bien éclairé, mais c'est quand même un ring banal, quoi. Sauf qu'il manque des cordes. Il y aurait pu en rajouter là au-dessus. On va faire une deuxième corde au-dessus. Voilà, ça c'est leur problème. On va dire. Je vais vous montrer. Ici, vous voyez au-dessus, on peut lire MetLife Stadium. Donc il a bien fait l'arène, bien tout noté. Le mot de la reine et tout, MetLife Stadium. Donc maintenant je vais vous faire, enfin, je vais vous montrer les coulisses de la reine, parce que quelle serait la reine sans les coulisses. Je vous le demande. Je vous le demande. Que serait une reine sans coulisses? Que serait une reine sans coulisses? Je vous le demande. Je suis déjà comme... Je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un truc. Prochaine vidéo sera sûrement avec un ami à moi parce que j'ai pas envie de taper toutes les arènes toute seule. Tout seul. Hein. Parce que sinon, ça va me rebondir. Et comme j'avais pas d'idée pour faire les vidéos, donc ici c'est super bien fait, WrestleMania, avec tous les immeubles tout dessus, parce que le WrestleMania 29 s'est déroulé à New York. J'avais pas d'idée de vidéo, et comme j'avais une nouvelle arène là. Mais j'ai une map aventure aussi sur l'espace de une map égyptienne. Et je ferai aussi une série suivie là-dessus, pour vous montrer... pour vous montrer mon parcours dans cette map que je vais d'essayer. Ça m'énerve les zombies qui... Je mets les trucs là, tiens. Musique apaisant. Alors dans les coulisses, waouh, c'est super bien fait. Ils ont mis le monde tous les catcheurs en plus. Ouais, Undertaker. The Rock. On va aller un peu de The Rock. Ouais, bah y a pas grand chose, il y a une bouche, c'est déjà ça. Il y a un fauteuil, mais il n'y a pas de télé. Ça c'est même pas un fauteuil, c'est une banquette. On va aller voir ce qu'il y a plus loin. Un bichou, j'ai vu.
ici il y a Kane, CM Punk. Ah, on se descend. Alberto Del Rio, Kofi Kingston, Santino Marella, Don Ziggler, Triple H, et il n'y a personne d'autre. Triple H. Christian. Alors j'ai rien de tous les cabines, enfin je l'ai. The Big Show. Ouais, le football. The Ring. To the Ring. Ah, c'est mythique. Oui, c'est. Allez, voir oui, c'est. Ah ouais, d'accord. Super l'échelle. Super les chiottes, Daniel Bryan. Oh là c'est le parking. Excusez-moi, je suis, comme je vous l'ai dit, légèrement malade. Mais j'ai pas encore vu John Cena. C'est qui dans Carcus. Ah, il est grand. C'est Daniel Bryan, un partenaire, en fait. J'ai lag légèrement. À cause de cette map, Zack Ryder. Non, je pense. Ah, lui il a déjà une table, ça c'est déjà bien. Par rapport aux autres Europe, il n'y a même pas une table. Il y a une douche aussi. Vous vous rendez compte? Europe, il n'y a même pas une table. Je me dis. Bon, ça doit être le même partout. On va aller voir qui est donc caché. Ça c'est la même. Superstar. Ah c'est la grande salle de Superstar. On va aller voir ça. Ah ouais, il y a une douche là-bas. Donc une salle commune pour faire les catcheurs en gros. Oh arrêtez de frapper hein. Même de paumer. Dans les portes. Et on peut. Et je lag. Bon déjà tu me lâches. J'ai gardé tout là, j'ai dit. J'ai dit t'es gentil, tu me lâches. J'ai dit t'es gentil, tu me lâches. Oui, mais... Seamus, je continue. Orton, Randy Orton, Chris Jericho. Ah lui c'est juste pour la force qu'il voulait aller. John Cena, ah voilà. Bon, John Cena il a une table. C'est déjà plus grand que chez Europe. Hein. Les deux principaux. Rare Master, Rare Mystery. On va aller voir la caméra.
avec des webcams. Caméra de travail. Ou de caméra route, ouais. Bon, ça tombe pas, merci. C'est un bon endroit ou pas? Je sens que je vais sortir par là. Je vais avoir mal me retaper toutes les manches. Ah ouais, il y a un couleur entier. Je parie, il y a un couleur entier, il n'y a qu'une caméra. Attendez, vous allez voir. Putain de jeu qui lag. Tu redescends en plus. Et son sel. Ah non, faut que je ne rends pas toutes les manches. C'est ce que je t'avais dit. Il y a une caméra. C'est faux. Il y a une caméra, il y a une télé. Mais on a une super vue sur la reine. J'avoue, chapeau à ceux qui ont créé la reine. Je dis chapeau. Chapeau. Chapeau, chapeau. À ceux qui ont créé cette arène. Je vais aller voir un garage en même. Ah non, un parking. Pardon. Le garage parisien. Alors. Et même normal, je vais se télécharger. Mais même si pas. Parce qu'on est en mode créatif. Donc ils peuvent plus le faire. Non, ça me fait chier ce mode créatif de merde où je lag. On va aller voir le parking. Mais j'avais vu dans la reine WrestleMania 28, ouais, les coulisses sont beaucoup mieux faites. Ah ouais, super, le parking, même pas une bagnole. Je sais pas moi, ils auraient pu mettre une voiture sur le parking. Et ils ont rien fait. Rien fait. Même pas une remorque, rien de cash. Ouais, en plus la route elle va... Ça va être là, net, direct. C'est quoi? Pour finir cette vidéo. Parce que... La vidéo malheureusement touche à sa fin car j'ai présenté tout ce qu'il y avait à présenter de la reine. Je ne vois pas ce que je pourrais présenter de plus. Je vais me faire un petit délire, je vais faire une entrée à Dancina. Attendez, je retire ce que j'ai dans mon entrée. Il y a une petite entrée à Dancina. Même si je n'ai même pas le skin de Dancina, c'est pas grave. On s'en fout, c'est un délire. Allez, c'est bon. Tu 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 ouais, petit geste là. Tu 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 tu
J'espère que vous avez aimé cette vidéo, et si tu as aimé, n'oublie pas de la liker et de t'abonner à ma chaîne. Bien sûr, tout ça c'est gratuit, et de me laisser un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. A plus tout le monde, on se retrouve à une prochaine vidéo. Bye, peace.